Au XIXe siècle, la France se dote de nouvelles inventions. La cafetière à percolation, le gaz d'éclairage, le piano à pédales, le système braille ou encore le réveil matin réglable vont égayer ou agacer le quotidien des Français. En imprimerie, l'évolution de la presse rotative va aussi augmenter le tirage des journaux et le pays va voir naître des centaines de nouveaux quotidiens. La politique et les faits divers sont les sujets favoris des rédactions. Et en janvier 1870, un crime sordide va alimenter durant des mois les colonnes des journaux. Sous le Second Empire, alors que le peuple souffre de la politique répressive de Napoléon III, la presse libérale n'a jamais été aussi ardente. La Lanterne, la Marseillaise, la Revanche, le Réveil, l'Éclipse tonnent violemment contre l'Empire autoritaire qui, depuis 18 ans, broie la France sous sa main de fer, annihilant toutes les libertés. Au cœur d'un duel épistolaire entre bonapartistes et républicains, un prince va changer les mots en armes et provoquer un coup de tonnerre qui va encore précipiter la chute du gouvernement impérial. Le 10 janvier 1870, vers 14h, Jean Millière, directeur du journal La Marseillaise, et Arthur Arnoux, un journaliste, arrivent devant le 59 de la rue d'Auteuil. À peine sont-ils descendus de voiture que la porte cochère s'ouvre violemment et un homme manifestement terrorisé, pistolet à la main, s'élance dans la rue en criant « N'entrez pas ! On assassine ici ! À l'assassin ! À l'assassin !» Presque au même instant, un autre homme sort en titubant de l'hôtel particulier et s'écroule, inanimé sur le sol. Il s'appelle Victor Noir. Le concierge sort à son tour pour porter secours aux blessés. Alors un attroupement se fait. Les gens, les commerçants finalement de la rue se regroupent autour de la victime qui est au sol toujours, qui est toujours vivant à ce moment-là. Et là, on a affaire à une victime qui est encore à peu près consciente, mais qui perd beaucoup de sang. Et on va décider donc de porter la victime vers une pharmacie un petit peu plus loin pour essayer de lui prodiguer les premiers soins. Alors, arrivé à la pharmacie, Victor Noir est déjà mort. Un médecin, quelques instants plus tard, arrive sur les lieux et, en effet, constate de façon formelle, cette fois-ci, que Victor Noir est mort. Il présente une blessure petite à la poitrine. Visiblement, un poumon a été perforé par une balle de petit calibre. Et d'autres médecins par la suite, à l'occasion notamment de l'autopsie qui sera faite, vont découvrir que cette balle en fait, était logée très près du cœur et donc laissait aucune chance finalement à ce garçon de 21 ans. La police arrive peu de temps après. Le docteur Pinel, médecin légiste, les accompagne. Il ne peut que constater le décès. Il note dans son rapport « Il y a un trou rond étroit sous le sein gauche ». La balle est entrée à 2 mm du cœur, elle a dû traverser le péricarde. La victime s'appelle donc Victor Noir. Il est journaliste à la Marseillaise. Le coupable est vite désigné. Et lorsque les policiers pénètrent dans l'hôtel particulier au 59 rue d'Auteuil, il les attend de pied ferme et ne cache pas son geste, car il n'est pas n'importe qui.
c'est le prince Pierre-Napoléon Bonaparte, cousin de l'empereur Napoléon III. Alors la police est bien sûr appelée à se rendre sur les lieux du drame. Et là, il constate que le prince Bonaparte est d'un calme olympien. Il les reçoit sans aucun problème. Et il dit, moi, j'ai peut-être commis ce crime, mais c'était en légitime défense. Donc je n'ai absolument rien à me reprocher. Il apprend de la police surtout que Victor Noir est mort. Jusqu'à présent, il pensait que c'était un homme blessé, simplement, qui s'était enfui de son salon. Et il va expliquer, bien entendu, qu'il s'agit là d'un acte de légitime défense, dans la mesure où il aurait été souffleté, donc un coup au visage lui aurait été porté par Victor Noir, qui est un personnage assez impressionnant. Hein, il faut penser qu'on a affaire à un gaillard. Hein, c'est un homme qui fait pas loin de 2 mètres, qui a une carrure. Et donc Pierre Bonaparte, malgré son tempérament, explique à la police qu'il a eu peur, qu'il s'est inquiété justement de cette agression et qu'il a riposté d'autant plus que les hommes étaient deux, qu'ils étaient tous les deux visiblement armés, alors que le premier coup était porté au visage. Ulrich de Fonvielle, par derrière justement, à quelques mètres au fond du salon, eh bien, sort un pistolet et tente de l'armer. Et donc c'est ça qui aurait provoqué justement la sortie d'un pistolet et le tir sur le premier des hommes qu'il avait en face de lui, donc Victor Noir. Devant l'importance du personnage impliqué, le commissaire de police du quartier se précipite aux Tuileries pour prendre ses ordres. Le préfet de police, Joseph Pietri, et le chef du gouvernement, Émile Ollivier, se concertent. Un homme est mort. Un rédacteur d'un journal d'opposition tué par un membre de la famille impériale. L'affaire est grave. Dans un premier temps, il décide de faire arrêter le prince qu'on emmène à la conciergerie. Une détention privilégiée, la cellule du cousin de l'empereur est contiguë de l'appartement du directeur de la prison qui l'invite à dîner le soir même de son arrivée dans l'établissement pénitentiaire. L'empereur Napoléon III est à Saint-Cloud. Il rentre le soir même. À sa descente du train, le préfet Pietri l'informe de ce qui s'est passé. L'empereur est effondré. Il regagne précipitamment son palais des Tuileries. Alors Napoléon III, quand il apprend la nouvelle, il est catastrophé. On le dit livide. Donc il annule tous les rendez-vous qu'il avait pris dans la journée, etc., pour réfléchir justement à la stratégie qu'ils allaient mettre en place. C'est d'une crise, en effet, politique qui s'annonce. Elle est déjà médiatique. Et on imagine que ce garçon qui ne portait pas en grande estime son cousin Pierre doit être très agacé parce que finalement, cette affaire, c'est un peu l'huile que l'on met sur le feu. La contestation était déjà importante depuis longtemps contre le régime impérial. Et là, bien entendu, on risque d'aller à la révolution. Après l'onde de choc de la Révolution française, le pays est à la recherche d'un équilibre politique. Monarchie et République s'alternent jusqu'au coup d'État du 2 décembre 1851 par Napoléon III. En même temps, les bouleversements scientifiques et techniques changent la société française. Une nouvelle classe émerge, celle du prolétariat et des ouvriers. D'abord, il faut se souvenir que Louis-Napoléon Bonaparte, qui deviendra Napoléon III, fut le premier président de l'histoire de France, donc en 1848. Ensuite, en 1851, donc avec l'Empire, il va dissoudre l'Assemblée nationale et progressivement se dirige vers un régime beaucoup plus autoritaire. La presse sera bâillonnée et cela va évidemment amener beaucoup de mécontentement et notamment un des fers de lance de l'opposition en France sera le talentueux Victor Hugo qui écrira Napoléon le Grand et Napoléon le Petit, Napoléon le Grand étant Napoléon Ier, Napoléon le Petit étant Napoléon III, en dépit pour autant de tout ce qu'il a pu accomplir, parce que Napoléon III, à travers son règne, c'est aussi la révolution industrielle, c'est le Paris avec Haussmann, c'est les arts et lettres, etc., etc., l'éducation, il y a du progrès, mais en effet, il y a une opposition qui est de plus en plus forte. Et malgré l'avènement
d'un empire libéral, justement, à partir de 1860, où notamment Émile Ollivier, le ministre, donc, va tout faire pour démocratiser ce régime qui était devenu trop dur, eh bien, la colère gronde. La colère gronde, et en 1870, on arrive à un point de paroxysme avec non seulement cette affaire Victor Noir qui vient mettre l'huile sur le feu, mais aussi, évidemment, des tensions naissantes au début de l'année avec l'Allemagne, toute proche notamment. Hein. La nouvelle de l'assassinat de Victor Noir s'est répandue dans la capitale comme une traînée de poudre, et l'émotion est grande. Les Républicains, voilà une nouvelle preuve du mépris qu'ont les bonapartistes pour le peuple. Dans les rues, c'est la stupeur. On ne peut croire à une telle rumeur. Le nom de la victime, qui n'était connu la veille que dans les salles de rédaction des journaux, est, depuis la terrible nouvelle, dans toutes les bouches. On a tué Victor Noir. C'est quand même un jeune journaliste de 21 ans qui est assassiné par le cousin de l'empereur et qui en plus est journaliste à la Marseillaise, qui est, on va dire, l'un des trois journaux les plus anti-Napoléon III qui existent à Paris, avec Le Rappel, qui est le journal de la famille Victor Hugo, et Le Réveil de Charles de Lécluse. Donc en fait, c'est l'Empire qui assassine finalement la République. Et pour le grand public, c'est quand même l'innocence qu'on a assassinée, d'autant plus que Victor Noir était désarmé. Donc en fait, très vite, il y a une forte émotion et Émile Ollivier sent cette émotion qui va monter. Il présente tout de suite un projet de décret pour convoquer la haute cour, seule habilité pour traiter les affaires criminelles touchant à la famille de l'empereur. Véritable arme politique, la presse joue un rôle considérable et la lutte est farouche entre les journaux d'opposition et ceux qui sont proches du gouvernement. Comment en est-on arrivé là, à cet assassinat rue d'Auteuil ? À l'origine, il y a une querelle de presse. Donc on a des journaux corses qui en fait s'envoient des invectives, des menaces, etc. Et donc on a d'un côté un journal qui s'appelle L'Avenir de la Corse, donc qui soutient le clan des Bonaparte. Et puis d'un autre côté, on a un journal qui s'appelle La Revanche, qui a été fondé par un certain Pascal Grousset et qui a pour directeur Tomasi, qui est avocat bâtonnier près la cour de Bastia. Alors en fait, ces deux journaux s'envoient des injures qui sont de plus en plus virulentes et donc des menaces. Pierre Bonaparte s'emporte et publie dans L'Avenir de la Corse une lettre où il accuse les journalistes de La Revanche de « traîtres à leur pays que leurs parents auraient dû jeter à la mer dans un sac ». Il rappelle aussi que l'auréole du grand Napoléon ne sera point ternie par quelques malheureux vauriens de Bastia. À cette épître haineuse, le rédacteur en chef Louis Tomasi va donner le coup de grâce. « Non, cet aigle n'est pas né, il n'a pas grandi dans un nid de laurier. » Non, ce prince n'est pas corse. En gros, le ton monte entre les deux organes de presse. Et là-dessus vient s'en mêler un journal national qui s'appelle La Marseillaise. Et il s'avère qu'à La Marseillaise, le propriétaire est Henri de Rochefort, qui est un grand polémiste, duelliste, journaliste. Il se porte solidaire du journal La Revanche. Donc en gros, il se mêle d'une affaire corse, finalement, hein, et fait monter la température. C'en est trop pour le prince Pierre Bonaparte, qui se sent offensé et demande réparation. Il envoie une missive de provocation en duel aux deux rédacteurs en chef, Henri de Rochefort et Pascal Grousset. Alors, les duels, et dans la presse en particulier, sont monnaie courante. Henri Rochefort, par exemple, en a une vingtaine à son actif. Qu'est-ce qui se passe ? On relève le gant, une insulte dans la presse, une interpellation, quelque chose qui n'est pas juste, une diffamation, hop, tout de suite, c'est le duel, il faut régler ça sur le pré. Et donc, il y avait même une salle d'armes, souvent, hein, dans les journaux, et tout le monde s'y est prêté, mais il fallait être prudent. Et Henri Rochefort, par exemple, était un piètre combattant, un piètre duelliste, et il lui est arrivé de blesser les témoins et non pas la personne qui était en face de lui dans le duel.
L'enquête duel sans monnaie courante, c'est l'honneur que l'on lave. C'est pour ça donc que Pierre Bonaparte envoie des cartels qui à Thomas et qui à Rochefort, et que Pascal Grousset lui-même aussi envoie aussi sa demande de réparation à Pierre Bonaparte avec ses deux témoins. Le juge Bernier a commencé son instruction en interrogeant le prince et Ulrich de Fonvielle qui accompagnait Victor Noir chez le cousin de l'empereur. Ulrich de Fonvielle lui explique de nouveau qu'il s'était rendu chez le prince pour lui remettre la lettre de Pascal Grousset demandant réparation, mais que le prince, qui s'attendait à voir Henri Rochefort en personne, avait perdu son sang-froid. Le prince demande à ce moment-là, mais êtes-vous solidaire de cette crapule de Rochefort ? Alors évidemment, ils ne peuvent pas faire autrement que de dire, bah oui, ce sont aussi nos amis. Une fois que cette chose-là a été dite, eh bien, le prince a sorti un pistolet, a tiré à bout portant sur Victor Noir, a également mis en joue Ulrich de Fonvielle, qui a réussi à se cacher derrière un fauteuil. Il raconte donc en effet qu'il était armé et que s'il n'a pas tiré sur le prince Pierre, c'est parce qu'en fait, il n'a pas réussi à armer, pris de panique, il n'a pas réussi à armer son pistolet tout simplement. Donc le prince Pierre aurait été plus rapide sur ce coup-là. Mais à aucun moment, en tout cas, Ulrich de Fonvielle ne parle de l'agression de Victor Noir sur le prince Pierre qui aurait précédé un coup de feu. Donc c'est en cela que les versions diffèrent. Hein. Du coup, on ne peut pas parler d'agression ni de légitime défense au bénéfice du prince. Là, il s'agirait simplement d'un prince qui, finalement, pris de colère, exécute froidement un homme qu'il a en face de lui et tente, d'ailleurs, de tuer le second, Ulrich de Fonvielle. Et ça, ça a été prouvé. Lorsqu'il quitte la maison, suivant les pas de son ami victime du prince Pierre, a été frappé d'une balle. Alors, il n'a pas été blessé, mais cette balle, en tout cas, a traversé ses vêtements. Donc, il a eu de la chance, hein. Mais on trouve en effet la trajectoire d'une balle à travers ses vêtements. Et la seconde balle qui a été tirée s'est logée sur le mur derrière lui, au fond du salon. Donc il a échappé belle, on dira. Mais voilà le témoignage, en gros, d'Ulrich de Fonvielle. Pierre Bonaparte, qu'on appelle le sanguin, parce qu'il ne vit que par la chasse, et par les armes. Et lui dit, quand Victor Noir s'approche de moi, il me présente une lettre et il porte sa main dans son gilet. Et j'ai l'impression qu'il va sortir un revolver pour me tuer. Donc moi, j'ai toujours un revolver sur moi. J'étais en cas de légitime défense. J'ai sorti mon revolver et j'étais plus prompt que lui. Et sur le coup, son collègue Ulrich de Fonvielle, lui, a sorti un revolver, a commencé à me tirer dessus, donc j'ai fait que me protéger. Et donc c'est la version d'Ulrich de Fonvielle qu'en celle de Pierre Bonaparte. Donc à la suite de ce drame, bien sûr, la population parisienne a pris fait et cause pour Victor Noir. Parce qu'il faut se rappeler que ce Victor Noir, jusque le jour de son décès, c'est une personne lambda. Hein, c'est un quidam, personne ne le connaît. Donc on vient d'assassiner gratuitement un jeune journaliste, qui plus est un républicain, et puis celui qui a commis ce forfait, c'est un membre de la famille Napoléon. Pour accrocher les lecteurs, la presse utilise le fait divers qu'elle distille en feuilleton, et pendant un mois, celui qui a commencé avec la mort de Victor Noir va défrayer la chronique. Tous les ingrédients sont réunis pour faire un bon roman populaire. Le meurtrier est un Bonaparte, cousin de l'empereur Napoléon III, qui le tolère à peine, agacé par son tempérament colérique, impulsif et incontrôlable. De plus, il a épousé une roturière. Il vit reclus dans son hôtel particulier de la rue d'Auteuil, mais perçoit tout de même 100 000 francs par an pour son appartenance à la famille impériale. La victime, elle, est un homme du peuple qui allait se marier quelques jours plus tard. Alors Victor Noir, c'est le plus jeune de l'équipe déjà. Hein. Quand on parle de Pascal Grousset, Ulrich de Fonvielle, Henri de Rochefort, c'est le plus jeune. Il a 21 ans. C'est un garçon qui n'est pas issu, à la différence des autres, de la bourgeoisie, de la notabilité intellectuelle. Ses parents sont plutôt issus du milieu ouvrier.
Victor Noir est le nom de plume d'Yvan Salmon, né à Attigny, dans les Vosges, le 30 juillet 1848. Noir, c'est le nom de jeune fille de sa mère, Joséphine Elisabeth, et son grand frère, Louis Noir, ancien zouave, devenu journaliste et écrivain engagé, utilise déjà ce nom. Le père d'Yvan Salmon le destinait, comme lui, à une carrière d'horloger. Mais dès l'âge de 13 ans, le jeune Yvan est plus attiré par les lumières de la capitale. Il quitte donc ses parents et rejoint son frère à Paris. Il s'en va dans la capitale, où il va vivre modestement, il va faire des petits boulots, comme on dit, surtout dans le métier de commerce, de fleuriste, et puis surtout, il voudra conquérir la capitale. Victor Noir va vivre une vie de bohème dans le Paris, avec les poètes, les rédacteurs, les journalistes. Et c'est quelqu'un qui est assez costaud, qui est grand, qui est sympathique, qui est convivial, qui est souriant, qui est toujours à rendre service à l'un à l'autre. Et il va être pris d'affection par Carfor, qui est rédacteur à l'époque. Il demande à Victor Noir, qui partage sa chambre, de lui ramener un petit peu des histoires que lui ensuite rédigera pour le journal. À la mort d'Adolphe Carfor, Victor Noir rencontre Jules Vallès, futur rédacteur en chef du Cri du Peuple. Marchant côte à côte lors des obsèques, Vallès est amusé et intrigué par ce grand gaillard qui se présente comme fleuriste. Il l'embauche à l'époque. Pendant 6 ans, il va travailler dans des rédactions d'opposition au régime impérial. Certains le présentent même comme le gros bras de la rédaction. C'est-à-dire en gros celui que l'on envoie justement quand il faut régler ses comptes. Il faut penser qu'à l'époque, nombre sont les journaux polémistes justement, hein, depuis que Napoléon III a rendu la liberté d'expression à la presse. Les journalistes sont tenus de répondre de leurs écrits par des duels, donc par leur vie. Et donc plutôt que de risquer une hécatombe dans la rédaction, de temps en temps, il est préférable d'envoyer justement le gros bras de la rédaction. Donc c'est peut-être pour cette raison-là que Victor Noir va se présenter, bien que jeune, ce 10 janvier, à l'hôtel particulier du prince Pierre. Mais voilà, ce jour-là, le prince Bonaparte n'attendait pas Victor Noir, mais Henri de Rochefort, le rédacteur en chef de la Marseillaise. Henri de Rochefort, c'était lui qui était attendu. Puis surtout, quand ses deux émissaires viennent, le prince Bonaparte attend Rochefort. Il attend personne d'autre, ni Grousset, ni quoi que ce soit. Il veut se battre, d'autant plus que Henri Rochefort, c'est un homme qui est très connu pour les duels. On l'appelle l'homme aux 30 duels et aux 30 procès. Donc, il est très familier de ce cas de fait. Donc, à la fin, bah, s'il y avait vraiment eu duel, ou si le prince Bonaparte l'avait reçu, bah, c'est lui qui aurait été tué. Et c'est l'infortuné Victor Noir, que personne ne connaissait, qui, lui, va être vraiment assassiné. Les journaux d'opposition vont faire de Victor Noir un symbole de la tyrannie du pouvoir impérial. Le journal La Marseillaise, auquel il collaborait, donne le ton dès le début, en titrant le 11 janvier à sa une, encadré d'un liseré noir, « Assassinat commis par le prince Pierre-Napoléon Bonaparte sur le citoyen Victor Noir », suivi d'un article virulent où l'on peut lire « J'ai eu la faiblesse de croire qu'un Bonaparte pouvait être autre chose qu'un assassin. Voilà 18 ans que la France est entre les mains ensanglantées de ces coupe-jarrets qui, non contents de mitrailler les républicains dans les rues, les attirent dans des pièges immondes pour les égorger à domicile. Peuple français, est-ce que décidément tu ne trouves pas qu'en voilà assez ? Pierre Bonaparte est un personnage un peu à part dans la famille de l'empereur. Il a 54 ans au moment des faits, il est goutteux, mais il est surtout très violent. C'est un personnage sulfureux qui a failli être plusieurs fois gibier de potence, mais le nom qu'il porte l'a protégé. Napoléon III n'apprécie pas du tout son cousin. Il le dit, c'est un sanguin, c'est ingérable, il est infréquentable, mais je ne peux pas le renier. C'est vraiment le neveu de Napoléon Ier, c'est mon cousin et il porte le nom Bonaparte. Donc il faut sauver les apparences et puis aussi de la famille et puis aussi de lui-même, Napoléon III. Mais la vie du prince Pierre Bonaparte, c'est un vrai roman feuilleton. Né le 11 octobre 1815 à Rome, il est le 7e des 10 enfants de Lucien Bonaparte et d'Alexandrine de Bléchamp.
Il va grandir à Canino, dans la campagne italienne, et va être éduqué par un précepteur franciscain. Bien qu'instruit, il développe rapidement un caractère d'aventurier. Il est considéré comme rêveur, sensible, mais aussi impulsif. Alors Pierre Bonaparte a maintenant 16 ans, et c'est un garçon qui va participer à une insurrection. Il commence à s'intéresser à la politique et il rejoint donc deux de ses cousins, membres des Carbonari notamment, pour vivre l'insurrection des Romagnes, et donc un mouvement qui vise à renverser les pouvoirs absolutistes notamment, et là en l'occurrence dans la province de Rome, c'est le pape dont il s'agit. Alors il y aura une répression assez féroce face à cela. Le prince Pierre va être arrêté et va être emprisonné pour la première fois. Donc, à l'issue de cette première peine de prison, il est invité par son oncle à le rejoindre aux États-Unis. Le prince Pierre loge à Philadelphie. Son oncle lui présente le général Santander, futur président de la Nouvelle-Grenade, qu'il va servir pendant 2 ans. À ses côtés, il se forme aux armes et participe à la prise de Bogota, devenant chef de bataillon à 17 ans. 1 an plus tard, il rentre victorieux chez sa mère en Italie. Problème pour le prince Pierre, ça va être un peu le problème de sa vie, c'est que l'époque n'est pas favorable au Bonaparte, et en Europe notamment, l'essentiel des pouvoirs s'inquiète de la montée en puissance d'un Bonaparte quel qu'il soit, et donc on fait comprendre au prince Pierre que son heure n'est pas venue, qu'il faut être patient. Un jour, il pourra servir, mais il vous faudra attendre encore. Et quand on est un homme d'action comme le prince Pierre et que l'on se sent voué à l'inaction, on a un profond sentiment d'injustice. Et Pierre Bonaparte, eh bien, il va passer les années suivantes à se conduire comme un voyou. Le voici au contact de nouveau de la rudesse rurale justement de la province de Canino, des histoires de vendette, etc. Et à l'âge de 21 ans, c'est un homme qui est surveillé, je dirais, par les forces de police ou de gendarmerie de l'époque, qui va faire l'objet d'une arrestation pour répondre simplement à tout un tas d'affaires en cours. Et donc Pierre Bonaparte, à l'occasion de cette arrestation, eh bien, va essayer de se défendre et va tuer un lieutenant, le lieutenant Caggiano. Donc il a une 20aine d'années à ce moment-là. Et cette affaire va être médiatisée, justement. Le pape va en prendre grandement ombrage et va le faire incarcérer cette fois-ci. La justice italienne va le condamner à la peine de mort à l'âge de 20 ans. Mais le prince va pouvoir compter sur le soutien inconditionnel de sa mère, Alexandrine de Bléchamp. Bénéficiant d'une brillante réputation à Rome, elle réussit à convaincre le pape de transformer la peine de mort en condamnation à perpétuité, puis en 10 ans de réclusion. Et finalement, on ouvre la cage du lion. À peu près 1 an après, le prince Pierre Bonaparte sera frappé néanmoins d'un exil perpétuel, ce qui fait qu'il ne pourra plus jamais revenir en Italie. Pierre Bonaparte a profité néanmoins de cette incarcération d'un an pour écrire son premier ouvrage, un roman autobiographique où il raconte sa jeunesse, La Rosa di Castro. Mais ces frasques sont loin d'être les dernières. Il se rend à nouveau aux États-Unis, à New York, où il retrouve son cousin Louis-Napoléon, futur Napoléon III. En se rendant à une soirée, il se mêle à une bagarre et Pierre-Napoléon tue un homme. Les princes ne seront pas poursuivis, leur pédigré les mettant à l'abri de la justice. Mais cette sombre affaire va froisser l'amitié des cousins Bonaparte. Revenu en Europe, Pierre-Napoléon part pour Corfou, qu'il doit quitter à la suite d'une fusillade avec des Albanais. Il s'installe alors à Daverdis, en Ardennes belge, avec sa maîtresse Rose Hénard, et s'y fait oublier pendant une dizaine d'années, de 1838 à 1848. Ce cavalier, passionné de chasse et d'armes à feu, croit son heure arrivée avec la Révolution de 1848. Il rentre alors en France. Le 23 avril 1848, il est élu député représentant la Corse à l'Assemblée constituante de la Deuxième République. Ce sera l'occasion pour lui de renouer avec ses racines corses. Il s'installe dans un château en Balagne et fait des allers-retours à Paris, où il loue une maison à Auteuil.
Pierre Bonaparte va poursuivre son mandat jusqu'en 1851. Et en 1851, eh bien, l'Empire, en effet, renaît. Le prince-président devient Napoléon III. Et cette affaire donc, va durer jusqu'en 1870. Le prince Pierre Bonaparte, à ce moment-là, puisqu'il n'y a plus d'Assemblée nationale, elle est dissoute, perd son mandat de député. La famille impériale souhaite vraiment le tenir à distance des Tuileries. Mais lui, en fait, aimerait bien être plus proche, effectivement, du pouvoir, en quelque sorte, et qui aimerait être mieux reconnu. Voilà, c'est pour ça, vraiment, que pour lui, c'est sûrement important de pouvoir se valoriser par une action d'éclat, et cette action d'éclat pourrait être de neutraliser Rochefort, qui est vraiment le symbole de l'anti-bonapartisme. Il avait un pistolet sur lui, peut-être souhaitait-il effectivement en découdre, mais hélas, c'est le pauvre Victor Noir qui en a fait les frais. Les obsèques de Victor Noir vont se dérouler le mercredi 12 janvier. L'inhumation se fera à Neuilly, sur ordre du préfet qui souhaite que la cérémonie se fasse loin des quartiers populaires. Alors c'est un point tout à fait important dans cette histoire de la fin de l'Empire et puis des temps qui vont suivre avec la Commune de Paris en 1871. Parce qu'on a pu dire que voilà, cette manifestation a été un moment décisif. Victor Noir devait être enterré au Père-Lachaise. C'était le souhait de sa famille. Mais le pouvoir ne voyait pas les choses comme ça, parce que pensait que ça pourrait créer effectivement des troubles à l'ordre public. Et donc, il valait mieux qu'il soit enterré, inhumé plus loin, et donc à Neuilly. Ce sont des obsèques républicaines. Elles ne seront pas du tout religieuses. Tout le monde voulait approcher le corbillard, tout le monde voulait toucher le cercueil de Victor Noir, et le cercueil est tombé à terre plusieurs fois, les choses sont cambrées. Les usines sont vides, les magasins fermés, une foule immense arrive par l'avenue de la Grande Armée et l'avenue de Neuilly jusqu'à la maison du journaliste. Paris tout entier est là. Il y a les exaltés, l'extrême gauche républicaine, qui vont en découdre. On a par exemple Louise Michel qui raconte qu'elle a emprunté le poignard de son oncle au cas où il y aurait une émeute pour pouvoir se défendre. Donc en fait, le gouvernement a très peur que le meurtre de Victor Noir, l'assassinat et ses funérailles soient en fait un moment d'insurrection. Donc on interdit la traversée du Corbillard à Paris. L'État s'est bien gardé de multiplier les transports en commun, les trains, etc. Non, non, ils vont à pied, c'est pas grave. Il fait un froid glacial, une pluie fine ne les empêche pas d'aller en foule. Les funérailles se déroulent dans un climat électrique avec une tension incroyable. Il y a un cortège funéraire qui est conduit donc en effet par la rédaction du journal, bien entendu, tous les journaux d'opposition et les ténors justement de la presse de l'époque où évidemment la représentation politique hostile à l'Empire est présente. Et vous avez entre 100 et 200 000 personnes donc, qui traversent Paris. Henri de Rochefort qui va appeler au calme en prétextant justement que ce n'est pas le jour de la Révolution. La Révolution se prépare, donc on ambitionne de renverser le régime. Beaucoup pensent que ça pourrait être l'occasion justement de renverser l'empereur. Ceux qui sont à la tête de ces mouvements appellent au calme au contraire. Et donc la manifestation, bien qu'électrique, se passe finalement assez calmement, si j'ose dire. Pascal Grousset décrira ce cortège avec émotion. Quel spectacle que cette mer humaine! Quelle immensité, quelle puissance irrésistible! Elle roule ses vagues infinies, matérielles et brutales, et pourtant chargées de pensées. Inconsciente de sa force, elle procède par effets imprévus et par coups formidables. Qu'est-ce qu'un homme perdu dans cet océan? Moins qu'un grain de sable. Le convoi funèbre part ensuite en direction du cimetière où plusieurs orateurs se succèdent pour rendre un dernier hommage à Victor Noir, proférant tous leurs sentiments de haine et de vengeance. Lorsque la dernière pelletée de terre recouvre le cercueil, une marée humaine se répand de nouveau dans les avenues, chantant la Marseillaise et le chant du départ en proie à une exaltation indescriptible.
Et d'un seul coup, de 200 000 poitrines sort un cri spontané, immense, irrésistible. Vive la République ! C'est-à-dire qu'on est à la fin du Second Empire. Donc l'Empire, il est vraiment plus que chancelant, puisque la mort et l'assassinat de Victor Noir, c'est la goutte d'eau qui va faire déborder, comme on dit, déborder le vase. Ce garçon va représenter finalement toutes les dérives de l'Empire et va fédérer les mécontentements autour de sa personne. Il devient le symbole finalement de la révolte nécessaire contre un pouvoir absolutiste, ou en tout cas qu'il a été trop longtemps. Devant la montée de la colère du peuple, le gouvernement essaye de calmer le jeu. Dans les journaux bonapartistes, on peut lire que le prince Pierre-Napoléon a été arrêté le jour même de son crime, décision que l'empereur lui-même a approuvée. Émile Ollivier décide de convoquer la haute cour, qui est la seule compétente pour juger les affaires criminelles touchant la famille impériale. Le prince Pierre proteste, il souhaite être jugé par un jury populaire. « Je demande la cour d'assises, la juridiction du peuple. Pourquoi mon titre de membre de la famille impériale m'y soustrait-il ? » ?»« Laissez, quelle qu'elle soit, la justice ne peut condamner comme assassin celui qui a défendu sa vie et son honneur », déclare-t-il à Adolphe Huard, rédacteur en chef du Sauveteur, venu à la conciergerie lui rendre visite. Malgré les efforts du gouvernement pour montrer qu'il ne fait pas de différence entre un membre de la famille impériale et un citoyen du peuple, l'opposition est de plus en plus forte. Les Républicains, et Henri de Rochefort en tête, accusent le prince Pierre d'avoir commandité un guet-apens. Le chef du gouvernement et garde des Sceaux, Émile Ollivier, demande alors à la Chambre l'autorisation de poursuivre, bien qu'il soit député, Henri de Rochefort. La majorité répond favorablement. Après la mort de Victor Noir, l'agitation continue. L'agitation politique, puisqu'il y a la levée de l'immunité parlementaire d'Henri Rochefort, qui aboutit à son arrestation le 7 février, et il est quasiment enlevé par les policiers alors qu'il se rendait à une réunion publique, donc devant finalement ses électeurs, et emmené à Sainte-Pélagie, hein, qui est la prison où on enferme en fait les prisonniers politiques, journalistes et autres. Et l'agitation donc, se poursuit sur les boulevards, hein, il y a quand même des manifestations, mais se poursuit aussi sur le plan social, avec d'autres grèves qui vont avoir lieu en mars et avril au Creusot, dans les usines métallurgiques et aussi dans les usines minières. Après, les jours suivants, la Marseillaise continue à faire des articles virulents contre l'Empire, et ce qui fait que toute la rédaction a été emprisonnée. Assez radical comme méthode, hein, comme en musée de la presse, on emprisonne tous les journalistes. À Sainte-Pélagie. Pascal Rousset a eu un mot très drôle à ce sujet-là. Il disait que quand on était à Sainte-Pélagie, on pouvait continuer à écrire dans la presse. C'était le seul endroit de l'Empire où on était encore libre. Le 21 mars 1870, le prince Pierre-Napoléon Bonaparte comparaît devant la haute cour de justice réunie à Tours, une juridiction choisie et des magistrats triés sur le volet pour juger un membre de la famille impériale. Il est défendu par deux avocats, Maître Leroux et Maître Demange. Le maître Demange, c'est un garçon qui a beaucoup de talent, il a eu même des prix d'oralité, et il sait qu'il y a quelque chose à faire. C'est-à-dire que là, il y a une telle volonté publique, en tout cas, d'enterrer en quelque sorte le prince Pierre, qu'il va falloir faire un coup. Et s'il est capable de faire un coup, il deviendra fatalement une célébrité et son cabinet sera rempli durablement. Donc maître Demange, eh bien, il va faire ce qu'il faut avec les autres avocats pour essayer de renverser la situation, justement, et faire démonstration que le prince Pierre a agi en état de légitime défense. La victime et le parti républicain sont représentés par Maître Laurier et Maître Floquet. Beaucoup de monde se presse dans le palais de justice, une foule curieuse, animée de passions ardentes, où les haines les plus vivaces se rencontrent. C'est le procès de la République et de l'Empire qui va se dérouler.
le président Glandaz ouvre les débats en s'insurgeant contre les vociférations du peuple. Ces clameurs du dehors, ces condamnations sans examen contre un homme placé sous la garde et sous la protection de la justice. Pendant l'audition des témoins, Pascal Grousset n'hésite pas à répondre au président qui lui demandait s'il était parent avec l'accusé. Laetitia Bonaparte a eu trop d'amants pour que je puisse assurer qu'il n'est pas mon parent, faisant rire toute l'assistance. Son témoignage sonne le début d'un pugilat verbal entre les témoins et le prince. Dans la salle, on prend parti et un tumulte indescriptible se produit. Ulrich de Fonvielle se lève subitement et s'écrie d'une voix haletante « Pierre Bonaparte, ose donc me regarder en face et me dire que tu n'as pas assassiné Victor Noir, assassin, assassin !» On croirait assister à un débat à l'Assemblée nationale. Il n'y a plus de juges, ni d'accusés, ni de témoins, mais des adversaires politiques. Le témoignage de la belle-sœur de Victor Noir est particulièrement émouvant. Elle raconte que le jeune journaliste est venu lui rendre visite la veille de sa mort et a confié être dans une mauvaise posture. « J'espère que le duel n'aura pas lieu et je ferai mon possible pour l'empêcher. » Le matin, quand il est parti, il était en grande toilette. Je lui ai dit « On dirait que tu vas à la noce. » Il allait à la mort. 3 jours de procès. Beaucoup de témoins, c'est assez colossal. Il y a une émotion qui est assez forte. Pour autant, à travers la lecture du compte-rendu justement de ce procès, on observe qu'il y a malgré tout, parfois, de la décontraction aussi, puisqu'il y a aussi des rires, il y a des mouvements, etc. Pendant le procès, Pierre Bonaparte a un petit carnet rouge qu'il ne quitte pas, dans lequel il écrit, il dessine. Et toute la défense, en fait, de Pierre Bonaparte, certes, ça va être la légitime défense, mais aussi ça va être de flétrir la figure, l'image de Victor Noir. C'était un illettré, c'était un homme violent qui aurait violé une prostituée en compagnie d'autres camarades ivres un soir. Donc ça a été la version de la défense de vouloir flétrir la figure de Victor Noir. Alors qu'en fait, c'est un personnage extrêmement gentil et tout le monde, même les journaux les plus neutres, ont toujours trouvé un mot gentil à dire sur Victor Noir. Le 25 mars, l'avocat général Grand-Perret fait son réquisitoire. Messieurs les jurés, entre qui votre conscience doit-elle décider ? Vous avez en présence, d'une part, les journalistes appartenant au parti le plus exalté, de l'autre, un prince qui porte le nom que vous savez. La question que pose l'avocat général est de savoir si, au moment où le prince a tiré, il était en état de légitime défense. « Il semble bien que non, » conclut-il. « C'est l'indignation et la colère qui l'ont entraîné, et non la crainte. Le prince Bonaparte a voulu se faire justice lui-même, effacer l'outrage reçu, même au prix d'un homicide. » Et puis il s'en prend à la presse. D'une manière générale, n'est-ce point là un des événements funestes fatalement engendrés par cette presse d'invectives, de haine, qui redouble en ce moment même ses venimeux outrages à l'occasion de ce procès? Par cette presse qui est un véritable danger pour les mœurs et le caractère de notre pays? Alors le verdict de ce procès de la Haute Cour de justice de Tours, il est vraiment contradictoire, à l'opposé de ce qu'attendait vraiment, on va dire, la vox populi. C'est-à-dire que le procureur et le président annoncent « Victor Noir est dans la tombe, mais celui qui venait de l'assassiner, le prince Bonaparte, il est acquitté. » Finalement, ce verdict ne provoque que peu de réactions dans le peuple. On n'attendait pas autre chose. Un sentiment de révolte est toujours palpable, mais on a l'impression que rien n'est possible contre ce gouvernement qui contrôle d'une main de fer toute opposition. Ce qui est certain, c'est que Napoléon III va craindre, à l'issue du procès, justement, une révolte à Paris. Donc on peut se demander si finalement le verdict satisfait Napoléon III. Est-ce qu'il n'aurait pas préféré un verdict en demi-teinte ? Qui puisse ménager la chèvre le chou, finalement, pour éviter justement une révolte et pour rester mieux assis sur son trône.
Napoléon III, assurément, a craint à l'issue du procès, donc en effet, une révolte massive à Paris, qui n'aura pas lieu. D'ailleurs, il demande au prince Pierre, à ce moment-là, en gros, de quitter la région parisienne, se faire oublier, soit en Corse, soit dans les Ardennes, où il avait des propriétés également. Le prince Pierre ne le fait pas. A contrario, même, on raconte qu'il se répandait de cette affaire dans les bars du coin, dans les auberges, auprès de ses amis notamment, puisque tout le monde voulait savoir comment ça s'était passé de façon très précise. C'est une affaire vraiment extrêmement médiatisée. Et donc, tous ces protagonistes qui étaient avec Rochefort, c'est-à-dire Pascal Grousset, Ulrich de Fonvielle, l'anarchiste Louise Michel et lui-même, eh bien, ils vont être envoyés au bagne, au bout du monde, dans l'océan Indien, près de l'île de la Réunion, c'est-à-dire en Nouvelle-Calédonie, sur la presqu'île de Ducos. Et ils vont y rester 4 ans. Et puis Rochefort, ayant beaucoup d'accointances politiques, et puis surtout étant franc-maçon, ayant de l'argent, va pouvoir se sauver de ce bagne de Calédonie par l'Australie et regagner la France en passant par l'Angleterre. Et c'est là que Pascal Grousset, en arrivant avec ses amis ou en France, le premier port étant le Havre, eh ben, il va venir avec un ballon de football. Et c'est là qu'on dit qu'il a amené le football en France et que le club doyen du football français, c'est le Havre. Tout au long de l'année 1870, le meurtre de Victor Noir reste présent dans les esprits. C'est un révélateur. Un martyr de la cause démocrate et républicaine, un symbole de l'innocence sacrifiée par une dynastie despotique et criminelle. L'affaire d'Auteuil a provoqué une prise de conscience du peuple. La mort de Victor Noir a affaibli l'Empire, provoquant le début de sa chute. Pierre Bonaparte va quitter finalement Paris, pas à cause de l'affaire Victor Noir, mais à cause tout simplement eh bien, de la chute de l'Empire, liée évidemment à la guerre contre la Prusse et donc à la défaite notamment de Sedan, où son cousin était fait prisonnier. Donc à ce moment-là, quelques mois plus tard, donc en mars 1871, l'Assemblée nationale vote la déchéance de Napoléon III et de la dynastie impériale, donc avec ça, la famille prend le chemin de l'exil, un exil nouveau. Et pour Pierre Bonaparte, eh bien, ce ne sera pas la Corse lointaine, finalement, et française, mais ça va être plutôt les Ardennes belges, en effet, où il avait un château, le château des Épioux. Donc le prince Pierre va s'y réfugier avec ses deux enfants et son épouse, mais sa situation financière est désastreuse. Son hôtel particulier, justement, hein, où le drame d'Auteuil a eu lieu, est incendié en 1871 à l'occasion de la Commune. Et les ruines de cette propriété sont rasées, bien entendu. Donc c'est une propriété que le prince Pierre ne peut pas vendre pour se refaire financièrement. 11 ans plus tard, il va mourir. Il va mourir vraiment abandonné de tous. Son épouse va l'abandonner. Pierre Bonaparte voulait mourir en héros, mourir comme un grand guerrier. Et il avait toujours dit « je mourrai comme les soldats sur un champ de bataille ». Et en fin de compte, il est mort comme une personne toute simple, quasiment, il est mort dans son lit. Vingt ans après la mort de Victor Noir, la Troisième République cherche ses héros et ses martyrs pour se donner une légitimité historique. Pour rendre hommage aux martyrs de la République, il fut décidé de transférer sa dépouille au cimetière du Père-Lachaise, là où sa famille avait toujours souhaité qu'il repose. Sur sa nouvelle tombe, le sculpteur Jules Dalloux réalise un bronze représentant grandeur nature le corps de l'infortuné journaliste. La sculpture est particulièrement réaliste. C'est la représentation du cadavre de Victor Noir tel qu'il a pu paraître au moment de sa mort. Le visage apaisé, les yeux fermés et la bouche entrouverte. Ses deux bras sont étendus le long du corps, son chapeau a roulé à ses pieds. L'image est saisissante.
Dans les années 60, la sculpture a été regardée différemment. Le gisant porte une redingote sur sa chemise ouverte, laissant entrevoir sa poitrine. Le pantalon est dégrafé comme pour mieux l'aider à respirer. Le souci de réalisme du sculpteur a voulu qu'il marque l'endroit de son sexe par une légère protubérance, un détail qui a fait fantasmer beaucoup de monde. C'est beaucoup d'histoires dans l'histoire de Victor Noir. Là, un journal de Paris ne faisant pas trop affaire, décide avec des étudiants parisiens de faire toute une autre histoire autour de ce gisant de Victor Noir, en faisant croire que les femmes qui sont au mal d'enfant viennent se frotter sur lui. Et puis là, donc, ils ont frotté le sexe de Victor Noir. Donc le bronze est en vert, là, il est vraiment bien lustré. Et puis cette histoire, ça a fait boule de neige, si bien que de nombreuses femmes sont venues au Père Lachaise. Petit à petit, une légende urbaine est née. On a imaginé que la statue allongée avait le pouvoir de faire retrouver la fertilité aux femmes et la virilité aux hommes. Un culte de nature sexuelle a vu le jour. Il suffirait de toucher la protubérance représentant le sexe de Victor Noir pour bénéficier de ses pouvoirs. Toucher les pieds du gisant permettrait de rencontrer l'amour et l'embrasser sur la bouche permettrait de voir le retour de l'être aimé. Victor Noir n'a jamais laissé indifférent. De symbole de la République à symbole de la fécondité, 150 ans après sa mort, il fascine encore ceux qui passent devant sa tombe, même s'ils ne connaissent pas toujours l'histoire spectaculaire de sa courte vie.